bien dans la tête, la clôte m'a coupé l'appétit, car la Bruni et Sarkozy vont bientôt se marier. Le con qui sonne et trois coupelles, la France se transforme en une poubelle. Le con qui sonne et trois bouteilles, la main au panier à la belle. Française, français, j'ai eu une idée. Manger sur le canapé pendant que Carla me l'astiquait. Travaillez plus, vont gagner plus et la retraite vous passe sous le nez. Alors d'ici là, vous serez bel et bien crevés. L'idée est bien bonne, c'est moi qui l'ai trouvée. L'idée est bien bonne, c'est moi qui l'ai trouvée. L'autre jour, en promenant sur le salon, entre vaches et cochons, soudain un type s'est placé devant moi et m'a dit: Nicolas, surtout, ne me touche pas. Je lui ai répondu de but en blanc, si ça plaît pas. Casse-toi, pauvre con, casse-toi, pauvre con. Casse-toi, pauvre con, casse-toi, pauvre con. Et puis je me suis barré bouffer du pâté. Il est quand même bien marrant, notre président, avec ses oreilles en chou-fleur et sa belle tête de vainqueur. Quand je vois à la télé, je peux pas ne pas marrer. Surtout quand il est bien bourré et qu'il peut plus parler. Pareil qu'ils ont lancé un concours de président pour déterminer lesquels sont moins intelligents. Et le premier en tête, vous l'aurez deviné, de bouche en bouche en premier, et puis Sarko après. J'étais surmené à l'Elysée, depuis que Cécilia s'est débarrée à cause d'un yacht mal équipé. Pourtant quelqu'un m'a dit qu'elle m'aimait. Pourtant quelqu'un m'a dit oui qu'elle m'aimait. Pourtant quelqu'un m'a dit mais je crois bien qu'il s'était gouré. Pour tout vous avouer, j'ai failli craquer. J'ai même à un moment donné voulu me battre avec un pêcheur. Il m'a promis un coup de boule, mais je n'avais rien à cirer. Car il y avait juste à côté mes gorilles. Alors je me suis dit, gare aux gorilles, gare aux gorilles, oui, gare aux gorilles. Et puis je me suis barré en me promettant de ne plus jamais bouffer de poisson pané. Puis je me suis barré en me promettant de ne plus jamais bouffer de poisson pané.